Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons à la caillou pour capable porter une nouvelle émission. Nous sommes le 18 septembre 2024. Très bonne journée à notre compagnie. Tiens, Beret Bamoline a frappé. Et nous saluons tout le monde qui est à l'étranger, comme toujours. Si là-haut, qui Canada, la France, États-Unis, Santo Domingo, Il Antillesio, merci d'être avec nous. Très bonne journée à notre compagnie. Et si là-haut, qui Haïti, nous fight. Ouais, parce que. Marine moi dit comme ça et nous connais bagaille grave elle et puis à chaque fois on dit ben ça va tranquillement bien et on est dans la vie c'est pas chaque jour même là bien dans misère dans problème dans difficulté mais on les faut dit ça va bien. Ah ben oui, ça va bien parce que même monde qui a parlé avec moi le fait que chaque jour l'étendé on dit oh bagaille grave bagaille red et bien ou même tout. Des fois, moun sa, li envie dit tête li, oh, mes amis, bah, yo pas chambre bien pour et tel. Par exemple, gen on seye de moun nan pays États-Unis. Se bagay m'da kapab di ki décourage moun Haïti quand la personne li a parlé avec yon moun nan pays États-Unis. Et puis, moun nan, depuis l'el décroche téléphone, l'el dit, ah, petite, bagay yo redoui nan pays États-Unis. Bagay yo redoui bon kote pa nou. Donc, c'est comme si ou di moun nan, hey, ou pas même besoin prendre chance d'il. Ou besoin de 50 gouttes. Vous ne pouvez pas comprendre, non? Eh non! Même là, on a un problème, même là, il y a une difficulté. Un jour, il faut dire ça va bien. Tranquillement bien. Extrêmement bien. On va commencer avec un dossier concernant le commissaire Jean-Ernest Muscadet. Commissaire a frappé. Commissaire Muscadet, parce qu'il se mette de l'eau dans le bandit. Hier, 17 septembre 2024, le commissaire il a frappé. Commissaire Muscadet frappé ce jour 17 là, un certain de Edson Alabré alias Gwodlo. Monsieur fait partie base Tilaplia d'après information qui a circulé. Li malade non Tipatili et li a patré dans le sud pour al prendre soin. Eh bien, tempête la passe prend d'après sa information au fait qu'on est. Donc, commissaire Muscadet mangé Edson Alabré. Gagné Miragouane. Pendant le commissaire l'a frappé, mais Miragouane li nan problème. Miragouane en deuil toujours. Donc on a été gagné un accident qui fait. Chauffeur camion perdu contrôle véhicule li. Eh bien, l'étape devient en trajectoire. Camion percuté. Plusieurs passants. Ça la cause. 5 moun perdu la vie sous place. Zamiro, t'es chargé, oui. Gagné un pilote qui blessé dans un état très critique. Drame ça a vini. Après une catastrophe dans le même département. Dans ce sens, ça a gagné 24 heures. Auparavant, un camion citerne a explosé dans Miragouane. Ça qui provoqué la mort 20 personnes et blessé une quarantaine d'autres. Pourquoi il y a plus que 20? Parce que vous parlez de une trentaine et plus qui perdit la vie. Incident tragique, si là, li souligné en fait lacune qui gagnait en matière de sécurité routière. Dans le département Sila. Devant ampleur Sila, autorité locale a demandé pour prendre bon jambesi immédiate pour renforcer sécurité routière dans la région. Communauté en deuil, tandis que il y a nécessité pour intervenir de manière pour éviter l'autre accident fait sur route Sila. Il y a un commissaire gouvernement Miragouane, non? Jean-Ernest Muscadet. Commissaire lui-même dit tout le monde qui a une machine. Qui en panne dans la rue, dans la juridiction par là, gain 4 heures pour étirer yo. Sinon, la brémoke yo. Chef paquet Miragouane, li prend décision ça après accident qui la cause, yon jeune journaliste perdit la ville. Entre temps, gain premier ministre Gary Conné qui lui même visité Banque République d'Haïti mardi 17 septembre 2024 là. Pour capable faire état des lieux, situation sécuritaire et discuter opération Force l'audio et intervention ministère travaux publics, transport, communication pour capable assainir environnement la banque dans le centre-ville Port-au-Prince. Dans le cadre d'une rencontre avec membre conseil administration Banque République d'Haïti, premier ministre Gary Conné lui même profité pour discuter tout avec gouverneur Banque centrale là, M. Ronald Gabriel, et réaffirmer détermination gouvernement pour capable bataille
pour reprendre le contrôle espace qui est occupé par regroupement criminel et faciliter reprise activité dans le centre-ville capitale pays d'Haïti qui c'est Port-au-Prince. Sous image capable remarquer premier ministre gilet pare-balles casque dans tête et li a marché gagné un policier m'ta capable dire c'est un agent ou bien un responsable dans Udmo ou Simo qui sous bord droite li et puis gagné quelques sécurités spéciales à travers vidéo si là et photo ça qui pral paraître très viral c'est une sorte de propagande nous t'as capable dire pour faire comprendre que premier ministre Gary Conny eh bien la bataille yon manière pour capable permettre sécurité tourner dans région métropolitaine Port-au-Prince surtout dans centre-ville là même on a regardé.
Gagné Nenel Kassi, ancien sénateur. Et non changé, commissaire Muscadet était arrêté tout ça. Il était là, il tout de suite. Commissaire Muscadet, nous sommes capables de dire qu'on notoriété l'autre bord là. Et en pile fois, le nom de Nenel Kassi, il est cité par commissaire Muscadet qui dit que il est presque fini à tiboiser gang Nenel la net. Et depuis, commissaire parlé, il dit que c'est un Nenel qui mettait en pile gang sous route là. Eh bien, Nenel Kassi, il jouait au fair play. Attendez bien, oui? Il fait profil bas dans sa n'a capable briller en sorte de duel à distance entre lui-même et commissaire Muscadet. Moi aborder point ça même, mais il parle sur l'autre dossier. Côté que il dit que c'est moun k'ap di li gagner ensemble avec commissaire Jean-Ernest Muscadet. Mais lui-même, il pas connaît li gagne rien avec commissaire Muscadet. Au contraire, il voyait manger dans nip et bien on croit. D'après ça, il dit commissaire là, li sécuriser convoi. Est-ce que c'est pas Maï Nenel Kassi a metti? Parce que nèg sa yo, yo grain 5 en pile, oui, yo grain 5 en pile. On a le temps de Nenel Kassi qui a parlé sous dossier si là. Tout monde qui est victime des drames Miagwan. Bon, c'est ça qui passe à l'Idriss et ça fait nous comprendre d'où les moun yo. Laisse dans condition ça qui nous connaît freine accès nous yo perdu la vie. Son souffrance pour moi c'est qu'elle m'a braché parce que moun sa yo lié avec. C'est des moun qui toujours présent bon côté moi. Yo m'a demandé comme sénateur. Chaque fois yon moun nan ni gen tête fait mal, gen la fièvre comme chaud. Parce que ils vivent avec moi, ils font confiance, ils m'aiment et ils sont toujours bon côté. Mon Miagwan, mon nani, je partage la douleur, je porte ensemble avec moi. Je fais deux mandats comme sénateur, je suis un sénateur exemplaire. Zéro faute. Mais pour qui ça l'aime des sénateurs, je ne vais pas faire un peu mal avec la population. Et je dis à l'équipe PHTK, à travers les âmes qui nous mènent, l'a attaqué pour peut-être de faire bataille Petro Caribe. Mais est-ce qu'il va enterrer Petro Caribe aujourd'hui? Il va enterrer, il va enterrer. Pour qui ça moi-même, je décide pour continuer à attaquer. Pour qui ça aujourd'hui, je va enterrer tout le procès massacre, pour qui ça vous voulez attaquer? Est-ce que je dis pas parler? Pas parler de Petro Caribe, pas parler de massacre, on fait silence. Bon, pour qui ça PHTK décider pour l'attaquer. L'utiliser tous les outils qu'il y a. L'utiliser les gens qui sont dans l'État. L'utiliser l'institution de l'État. L'utiliser la presse qu'elle contrôle pour l'attaquer. Le commissaire qui sorti de Miagwan, chaque jour son déclaration fait le faire. Mais entre-temps, moi-même, je me pose la question qui s'habille avec elle. Je vais affronter ma commissaire. Qui ça qui passe? Moi-même, en maître reprise, moi identifié que commissaire ça, lui affiché un comportement direct ensemble avec comme monde que lui voulait protéger. Les jeunes, lui même dit ça, les jeunes lui dit arrêtez-moi. Lui dit le voyez monde vient dit pas arrêter pour pas arrêter. Parce que lui c'est habillé à faire. Les lui venant dans commissariat m'a demandé libération ti monsieur qui a pu arrêter avec yo. Il y en a nous qui là. Moi dis, ah, je viens chercher ces messieurs qui ont été arrêtés au professeur étudiant jeune. Et puis je dis, ils prennent le banc tout à l'heure. Le samedi avec mes amis. Après, il tourne, il dit, ah, je vais dire pour déplacer, je vais trois avocats pour déplacer parce que le président a besoin d'arrêter. Ils font un premier appel pour le bateau presse pour l'arrêter, mais pas jouer. Il dit, ah, sénateur, mais allez. Il dit, mais allez, sénateur, me dit, je ne peux pas aller sans l'autre monde qui m'a arrêté. Et puis après ça, le fait appel là, il joue un Port-au-Prince. Et là, ça dit, sous l'autre président de la République là, le sénateur pour arrêter. Ça veut dire que ce n'est pas lui-même des propres grilles qui t'a fait arrêter. Deuxième autre bagaille, dans la même période, ça, Jovenel te veut révoquer. Moi, je dis Jovenel, pas révoquer monsieur parce que ce n'est pas monsieur des propres grilles qui t'a fait arrêter.
C'est où que tu as l'autre là pour arrêter. Si pour évoquer, c'est où pour évoquer tête ou. C'est pas monsieur pour évoquer. Vous ne voulez pas monsieur. Claire. Le tremblement de terre, 14 août 2021. Il y a toute aide que m'a portée pour mon nani. Mais c'est commissaire qui sécurise le convoi. Tout net. Tout net. Mais si vous avez un problème, madame Bagali. Mais je dis, pour qui ça? Mon PHTK. De moun ki gen problème avec du bal vin en face moi. Vin en face moi. Pas utiliser commissaire. Utiliser. C'est en face moi pour vin. Clair. C'est pas moun pour n'ap utiliser. Bon, là on a utilisé. Ça veut dire non. Fait bataille clair. Fait bataille clair. Je dis, moi-même, je ne pas organisation droit de l'homme. Si droit de l'homme a fait travail, qui te fait. Moi-même, comme politique, je fait travail. Moi. Commissaire, comme représentant gouvernement, je fait travail. Pas. C'est ça, pas de aucun gang capturé, capillé, cap volé, cap brûlé que nous-mêmes dans la ville de Brazil. Nous avons défendu des gens dans le ghetto qui ont passé misère. Oui. Nous n'avons pas d'accord pour tuer n'importe comment. Mais bon Dieu. On connaît qu'elle ne va pas marcher, nous pas danser collé avec bandit gang. Ça, c'est clair. Et c'est nous faire plus gros bataille dans le pays comme ça. Amen. Ça pas gagner, pas faire un cadeau. Mais moun ki met yo konnen moun ki gros bataille pour faire sénateur. Bataille contre gang. Bataille contre criminel, bataille contre massacre et c'est nous victimes. Et je dis à l'important, moun connaît que nous pas dans conflit. Par exemple, moi dis Negiel CCE a écrit des morceaux papier pour des machines qui finissent craser, qui parlent là encore, pour dire que je fais fausse déclaration. Mais est-ce que j'aime tant de m'attaquer directeur Ariel CCA? Non, c'est le droit de recevoir. C'est Dieu qui te dit le fait. C'est Ariel qui te dit le fait. Écrit le compte moi parce que je peine. Est-ce que le commissaire Guillaume n'a pas mis l'interdiction de départ contre moi? Est-ce que j'aime attaquer? Pour qui ça m'a attaqué, Miscadena? Pour qui ça? Non, je ne m'attaque pas commissaire Guillaume. Je ne m'attaque pas directeur ILCC. Nous, je ne m'attaque pas Tibalten. Nous, je ne m'attaque pas. Clé! Je ne m'attaque pas. Je ne m'attaque pas chef. Parce que c'est eux qui empêchent le pays avancer. Oui. Si je dis à directeur ILCC, à l'autre monde dans la tête, à l'autre chef, à l'autre président, là, fait vraie bataille contre la corruption. Et pas moi la vie d'attaquer. D'ailleurs, on connaît que moi-même fais bataille contre la corruption. Ça veut dire, je dis, vous pensez que un monde qui fait un travail sérieux, il peut attaquer un monde qui fait bataille pour peuple. Et pas ça. Ça veut dire, moi, je voulais que nous prenions acte de ça. Et je dis, nous bagaille pour nous finir. Sous question ça. Je demande nous patience. Patience. Parce que nous avons constaté que des vérités commencent à sortir. Et bien, vrai, que des vérités commencent à sortir. Que c'est moi qui chouchou peuple là, c'est moi qui chouchou pays. Parce que les campagnes PHTK pas qu'à voter free encore, tout le monde a dit bon, Nenel ça a été détruit. Et il est guéri. Rappelez-nous quelques vérités. Parlez, sénateur. Vous m'en nous. Vous m'en dites, vous dites, vous dites, patience, vérité, vous pouvez blâmer. Vous pouvez blâmer. Parce que, je dis, nous savons que l'erreur Ariel fait, c'est l'être écrasé à quoi on s'est fait. Puis l'erreur Ariel fait, c'est l'être décidé d'attaquer. Le pays, ça ne va pas d'accord pour nous attaquer.
Même. Par le Sénat. Je crois qu'il est important pour nous comprendre et que je dis, nous devons travailler pour payer nos sorties dans la salle. La vie soif pour la sécurité. Nous avons besoin de sécurité dans le pays. La vie besoin de tourner dans le pays pour montrer force. Nous avons besoin de débloquer le pays. Nous avons besoin de tourner. Pas calme, Mariani. Ça veut dire, je dis, c'est important. L'important pour la sécurité, pour nous capables faire tourner en d'un pays, pour nous capables d'organiser le congrès de la vie, pour permettre que les journalistes viennent couvrir l'événement, pour permettre que les journalistes soient inscrits dans la vie, pour porter la vie, pour le peuple, pour avoir l'information et la vie. Sénateur, vous pouvez nous dire quelques vérités pour dire qu'il faut se dévoiler. Est-ce que vous avez dit quelques vérités? Bon, dis-nous. Ça qui est important, je dis. Dans le cadre de la bataille la vie à faire, nous disons que nous allons faire une vaste campagne de consultation à travers le pays. Et nous allons consulter toutes les forces pour nous comment capable aider le pays à pour sortir de ce lieu-là. Le gouvernement a participé aussi. Pourquoi? Parce que nous disons son moment tête ensemble, son moment de très politique, parce que je dis, le peuple a souffert trop. Les gourmets trop. On va pas demander au peuple là pour sortir dans la rue à faire manifestation. On va pas demander au peuple là pour aller faire city. On va pas demander au peuple là pour aller gourmer là dans moment. M'a demandé dirigeants. M'a demandé élite yo. Pour mettre tête ensemble pour nous sortir pays dans ça là. Mon yo souffre trop. Question sécurité a des jours en jour il vient plus compliqué. Son insécurité généralisée. Ça veut dire quelque part situation complexe. Nous constatons que les petits efforts qu'a fait, ce que nous applaudissons, et c'est peut-être samedi, le directeur général qui l'a, avec le président CSPN, il y a un souci, il y a un temps, mais il faut que nous montrions à travailler tout de façon efficace, parce que le peuple a besoin de sortir de cette situation. Et c'est dans ce sens que nous dit, après 4 ans d'attente, nous constatons que nous avons 500 policiers étrangers pour une bonne sécurité. Je ne dis toujours qu'on dit là. Nous disons que l'armée qui est là, qui probablement a préformé, la police, il a fait le job là. Mais l'intervention qui a fait là, montrer qu'il a fait. Pour qui ça, je dis, j'ai un premier ministre qu'on dit là, il y a environ 10 000 jeunes qui sont capables d'entrer dans l'État. Je souhaite qu'il y ait une priorité avec la police et l'armée. Parce que la préoccupation de la population aujourd'hui, c'est la sécurité. Ça veut dire qu'il faut qu'ils fassent un recrutement en masse pour mettre des jeunes garçons, jeunes femmes dans la police, là, jeunes garçons, jeunes femmes dans la MEA, qui permettent qu'au moins nous gagnions 10 000, 15 000 jeunes garçons, jeunes femmes qui peuvent gommer contre l'insécurité. Ça veut dire que dans ce moment, c'est important pour mettre en phase sur la question. Parce qu'il y a besoin de plus de monde pour batailler contre l'insécurité. Et là, ça, le gouvernement négocie avec les amis, les paysans pour jouer des armes avec munitions. Parce que les bandits, ils n'ont pas plus d'acquaintance, ils n'ont pas plus de possibilité que l'État, comment les bandits font des armes? Comment faire une munition? Ça veut dire que l'État dégage pour mettre mon intelligent en administration, en équipe gouvernementale, là, pour chercher munitions, des armes pour permettre qu'ils soient capables de vivre par la sécurité. Et c'est dans la même optique ça que nous croyons qu'il est important. Il est important pour nous avoir des efforts qui font pour permettre que tout territoire débloqué, zone, route nationale, il faut qu'il soit débloqué parce que l'air bloqué, il y a des conséquences graves sur le pays. Misère, nous tous connaissons. Question sécurité, il est bouché question de misère. Monsieur, nous ne pouvons pas vivre, messieurs, dames. Nous avons souffert. Nous n'avons déjà pas de travail. Nous n'avons déjà pas de problème. Mais la situation est plus grave. Nous sommes dans le Grand Sud. Les produits ne sont pas joints parce qu'ils sont bloqués. Les produits ont vendu tête nègre. La situation est dure pour nous. Il y a environ 5 millions de personnes qui ne peuvent pas manger dans le pays. C'est une population de 12 millions de personnes.
ça veut dire moitié, presque moitié population pas qu'à manger. Et entre temps, ça qui a passé là, c'est que entreprise a fermé pour tout. Si entreprise, petite et moyenne entreprise, a fermé pour tout. Chômage là a augmenté. Jeune garçon, par contre, qui ça pour faire? Et entre temps, pas de aucune politique pour soulager la souffrance de la population. Et c'est peut-être ça, moi je crois que le gouvernement est responsable. Il faut qu'il subventionne les produits qu'on puisse utiliser. Ça, qu'on puisse manger à un moment. Produits de masse. Ça veut dire que c'est un effort qu'il fait. Il faut qu'il arrange avec la douane pour alléger le fardeau fiscal, taxe sur les produits pour permettre que les gens puissent avec un prix qui est abordable. Jeudi à 18, dans un petit temps encore, l'école pral ouvert dans le pays. Déjà, grand pile monde qui a posé des questions pour dire comment l'école la pral ouvert dans la capitale là, dans un série de côté. Parce que dernièrement là, nous t'entendons un chef gang qui t'a parlé pour dire est-ce que pap gen l'école dans Cité Soleil? Est-ce que pap gen l'école dans Badelma? Est-ce que pap gen l'école côté gang yo même? Y a crasé brisé à tout. Comprenez bien, oui? Parce que gang yo, yo mette nous dans ça, nous y là à tout. Est-ce que pap gen l'école la kayo? Au point que gen a yo qui dit si l'école la pap ka fait dans zone bo la kayo, eh bien, l'école la pap ka fait, on seye de l'autre côté. Bon, m'pap pral di na yo menti. Parce que ou est là, son revendication qui la pou si la yo qui pi mal. Mais faut m'di na yo tout. Particulièrement barbecue, c'est eux-mêmes qui la cause zone bo la kayo krasé. Parce que à vouloir pas connait se défendre, eh bien mais ça qui passé. Pas oublier, nèg yo toujours plein, yo mettez zam nan men yo. Les sa yo te timoun, yo pas ka penser, mais comme qu'on y a yo ka penser, yo utilisé zam nan pour font l'autre bagaille. Qui l'autre bagaille yo fait maison? Nèg yo krasé zone bo la kayo, yo attaqué moun qui semble avec yo, yo boulé kay moun qui semble avec yo. Et puis, bah, j'aime vraiment, chaque fois, il y a des gens qui disent, écoutez, pour qui ça ne va pas monter en l'air, ou que, eh bien, en l'air pas facile, j'en comprends. Comprends? En l'air pas facile, j'en comprends. Ou qu'on est, c'est tel monde qui la cause, ou n'en sort, jour et jeudi, hein? Eh bien, ou pas, j'aime penser un jour pour aller frapper. Dernièrement, là, j'ai un chef de gang qui parlait, qui dit, bah, il n'y a pas facile comme ça. Bah, il n'y a pas facile. Sinon, quand les gens qui tout, je venais là, PM, moi-même, m'a frappé la tête. Ça veut dire que jusque là, c'est affaire pas y'a défendre. Il n'est pas en question de intérêt pays. Est-ce que nous comprenons? Donc, je ne j'ai dit à là, c'est vrai, Badelma faut cliquer l'école. C'est vrai, Cité Soleil faut cliquer l'école. C'est vrai, dans Croix des Bouquets, zone la mort sans jour, faut gagner l'école. Mais qu'on y a là tout, monsieur, faut nous dire tête, non, c'est nous craser zone. Vous comprenez? C'est nous-mêmes qui crasons zone. Pas ouais gon hélicoptère qui monte en l'air là, cap craser Cité Soleil. Pas ouais gon chat de guerre qui paraît là craser Cité Soleil. Ça veut dire c'est nous-mêmes qui mettait Cité Soleil dans salia. C'est nous-mêmes qui mettait Croix des Bouquets dans salia. C'est nous-mêmes qui mettait Badelma dans salia. Hein? Bon, est-ce que la police a guetta prend une série de mesures pour capable faciliter reprise activité scolaire yo? Dans le pays ça. Nous prenons dans le pays États-Unis, côté que gagné yon gros mobilisation communauté haïtienne. Nan. Mais qui t'aime dit non, communauté haïtienne, nan. De concert avec plusieurs groupes dans Long Island, organisé journée mercredi. Donc c'est aujourd'hui même, 18 septembre 2024, yon gros mobilisation devant local Nassau County College. Et sur ce dossier, nous prenons le permis tout en Eden débat sous manifestation ça. Qui déjà commencé à rassembler au niveau de Long Island. Okay, donc, c'est même suivi, je suis capable de dire, de conférence de presse et mobilisation que Carrie Solage a lancé suite à déclaration raciste que Donald Trump a fait, côté que lui visait, et nous-mêmes haïtiens. Et, mais nous connaissons que Donald Trump a gagné haïtien dans le visuel. Cela veut dire que monsieur a décidé. Et pour lui venir faire un rallye dans Long Island, qui c'est dans l'Union Dell. L'Union Dell, son zone qui est chargée avec Haïtiens. Eh bien, nous-mêmes, nos communautés, hein, et nous disons que
comme Donald Trump te fait déclaration que le fait yo, comme Donald Trump eh bien dans campagne li son nèg qui visait et immigrant yo son bataille à mener contre immigrant yo, eh bien nous décider pour nous à le faire monsieur tendez voix nous et monsieur a fait l'alia dans Nassau et Center et nous même et Carrier Solage eh bien prend permis pour lui et permettre que des groupes et pas seulement la communauté haïtienne non mais comme et c'est nous yo cité non c'est sûr que n'a devant scène non mais a gagné en pile l'autre groupe ethnique et en pile l'autre immigrant cap ensemble avec nous pour nal et dit Donald Trump que communauté haïtienne n'a pas connait échappe communauté haïtienne n'a c'est voter qu'a voter et communauté haïtienne nan, c'est des immigrants qui yo même a travail pour bien-être et pays ça et que nous la donne donc c'est notre perspective ça n'a réuni et de yo bon côté monsieur pral fait activité hein, et à partir de 3 heures parce que monsieur a venu entre 5 heures mais nous même n'a dégagé pour nous là depuis en vent monsieur vini ensemble avec drapeau nous ensemble avec banner nous ensemble avec pancarte nous et pour n'aller et dire monsieur Sangé pour nous dire et moi besoin quand même et faire une petite clarification parce que gagné un pile monde qui a pensé que c'est pral une confrontation et nous pas pral une confrontation ensemble avec personne nous pas pral rentrer dans espace côté rallye monsieur a fait là parce que nous connaît et groupe moun ki dey monsieur yo non seulement pa vle wè nou yo vle détruire nous donc si on ta jwenn une possibilité pour faire ça et ben y a fèl mais nous même yo défini yo zone et nan area pour nous qui c'est ça yo rele un free speech zone et côté la police nationale et bien a mette tout dispositif de sécurité li pour lui permettre que voix nous passer dans moment ça. Donc, dans ce sens, nous invitons tous les compatriotes qui eux-mêmes dans Long Island et l'autre monde qui est dans la zone avoisinante, mon Queens, mon New Jersey, mon Brooklyn, eh bien, pour eux, venir pour te coller parce que l'attaque qui a fait là, et n'est pas faite sur Long Island seulement, elle fait sur tout Haïti en général. Donc, c'est ça que fait, nous avons souhaité que, et un peu de monde venir pour eux, car ouais, que nous présents pour kawé que nous frapper pied nous à terre pour kawé que nous pas d'accord ensemble avec propos racistes de la champion. Bon faut récapitulation rapidement Donald Trump est doué parler dans Nassau Community College demain et dans cadre campagne électorale nous même nous avons organisé nous pour venir devant centre là pour venir manifester pour venir dire Donald Trump nous pas d'accord avec les propos que li a lancé qui visait migrants haïtiens de ce qu'il accusait nous de ce nous a manger chat a manger chien monde dans Ohio. Maintenant est-ce que dans niveau pas nous comme organisateur nous parler avec d'autres associations et de haïtiens dans la diaspora pour capable gagner un maximum de présence et demain et dans rendez-vous ça Eden Zeba. Oui, et faut dire que Carrier Solage et un pilote officiel haïtien américain, yo même et yo prend ça en charge et ou gagner en union tant que 1199 et qui en fait accompagner nous et gagner le Parti démocrate lui-même. Parce qu'on est nous dans une période d'élection et quel que soit côté Donald Trump et toujours gagner des mondes au niveau parti démocrate là au plus haut niveau et qui balle quand même en sitting donc que tout groupe ça yo eh bien il y a ensemble avec nous manifestation ça eh bien c'est des slogans qui pral dénoncer caractère raciste que Donald Trump gagne dans discours et accusation sans fondement que se fait sous communauté haïtienne et accusation que petite lui-même lui fait à la après accusation par lui au côté petite monsieur dit que et migrant haïtien c'est migrant qui saute et qui te gagne donc nous-même et c'est haïtien qui pral ontijan dans devant scène mais pral gagne tout l'autre groupe tout l'autre immigrant yo derrière qui a dénoncé Donald Trump. OK. Une coin qui
Je travaille avec un collègue activiste aux États-Unis, tout, c'est Mimi Pierre Johnson, qui a un peu de sens. C'est que parallèlement avec le mouvement de protestation, ça a été solidaire, il faut que nous fassions politique. Et faire politique, supposé mobiliser la communauté haïtienne qui est capable de voter pour exprimer toutes les frustrations, toutes les rejets par rapport à la déclaration de la CSAO dans les élections. Est-ce que beaucoup de pour gagner genre d'activité ça va faire pour que nous rallier le plus de monde qui est possible pour nous sensibiliser eux et nos communautés haïtiennes sur l'importance pour y aller voter contre les républicains? Justement, et dans le même jour ça, et gagner plusieurs organisations qui a marché ensemble avec Voter Registration et côté si gagner des haïtiens, si gagner des monde et qui peut enregistrer pour voter. Eh bien, dans le rallye, il y a même, et il y a besoin de ça. Et ensuite, il y a des dispositions qui prennent, et pour doubler, nous sommes capables de dire, et d'or tout d'or, côté nous pouvons frapper porte, des migrants, côté nous pouvons frapper porte, et des gens dans la communauté, pour nous dire, il faut y aller voter. Et il faut y aller voter, mais nous avons tout dit, tout, dans quel sens pour voter. Parce que ce qui a passé là, monsieur, c'est que, et nous pas nos élections normales, c'est pas pour dire c'est des démocrates qui en face parti républicain, c'est yon lèl en dans parti républicain hein, qui exprimer on capable dire sentiment raciste ça contre de l'autre monde. Donc et même monde en dans parti républicain yo a dénoncé Donald Trump. Donc c'est sûr et certain en dans campagne ça qui a fait là, n'a joine toute tendance, n'a joine des républicains, des gens qui étaient candidats républicains et qui avaient accompagné nous pour dénoncer ça. Nous avons gagné voter registration, nous avons gagné d'or tout d'or et gagné et débat qui n'a pas jamais été fait et que gagné un pile monde qui commençait à prier pour gagner et même spot publicitaire que la communauté haïtienne a mis dans des médias, pas vrai, et pour nous capables de motiver et des haïtiens. Parce que je dis à la, c'est survie immigrants. Que Donald Trump menacé. Dans le projet 2025 client, eh bien, monsieur dit dans 90 jours, eh bien, la font masse déportation, en déportation massive que personne ne peut jamais dans l'histoire pays ça. Et l'Ipral bail droit avec des employés de l'État pour, eh bien, dès qu'on connaît un son immigrant illégal, eh bien, ou capable de rentrer ou arrêter et à déporter. En dans le projet 2025, monsieur a monsieur dit que y a fait bac pour y aller garder fondal natal on série de monde qui t'est rentré. On dit par exemple que parents t'est rentré et puis t'est font mariage mais j'ai pas fini trop correct ou bien t'est rentré sous décollage même sous une citizen. Eh bien monsieur praler li pral retirer citizenship c'est ça il dit dans le projet de 2025 là pour déporter et moun côté rentré qui t'est bénéficié de résidence à la suite de peut-être ça, M. Pral considéré comme un fraude là, eh bien, il y a deux portes autour. Donc, cela veut dire que c'est pour un petit bagage petit, c'est pour un bagage qui seulement visait des gens qui ont des TPS, des gens qui rentrent dans Biden, des gens qui ont cherché asile, mais c'est un plan global que M. Gagné pour y finir avec immigrants noirs. Parce que ça qui est important pour nous noter en dans démarche, M. Gagné, c'est que M. Bon tolérance pour l'autre immigrant. Monsieur Paguen, même après ça, il a parlé de immigrants. Pour les Ukrainiens, ou pas immigrants. Même qui sortent dans l'Europe, laissez-le pas immigrants pour lui. Donc, so, j'avais dit que monsieur besoin d'un Américain blanc, pas vrai, côté que, eh bien, Vénézuélien, Haïtien, il n'est pas tellement attaqué Cubéo, parce que monsieur connaît dans Florida, si Cubéo ne veut contre lui, il a perdu Florida. Pas tellement attaqué, mais les visés haïtiens, les visés vénézuéliens, les visés en série de groupes, eh bien, côté que la première bataille, ça a compté. Donc, il faut que nous tous nous mettons ensemble pour nous faire échec à plein 2025. Ça. Eh bien, considérons c'est très clair, éviter confrontation. Et si nous voyons une ville dans la figure, nous, par exemple, et besoin quand même, pour la harasser nous, marcher, pas confronter, pas rentrer dans aucune confrontation à personne, et mettre un groupe. Ouais, puis gars, nous, on crée une pas bon ici, on crée une bon l'autre bon.
parce que nèg sa yo yo habitué faire des actes déjà dans mode activité sa yo et suivre consigne la police suivre consigne et des monde que nous pral mettre là et bien qui pour quel des groupes là ensemble et pour nous capable pour des slogans. Et une petite question, oui, on connaît longue haïtien, mais il n'y a pas autant d'haïtiens que dans Brooklyn, que dans Queens. Est-ce que il y a des consignes pour transport? Est-ce que n'a pas encouragé carpooling, covoiturage? Est-ce qu'il y a des bus disponibles sur vos transports? Qui ça gagne comme planification? Moi, je pensais que il est 1199 qui c'est une union et qui est très large en dedans Brooklyn et Long Island. Il y a plusieurs filières dans les réunions que nous avons ensemble avec eux. Ils ont même été prévoir ça. Parce qu'on est, c'est une décision brise sous coup plein. Et c'est mercredi, pendant moi-même personnellement, m'a sorti Washington, et puis nous voyons que monsieur a vu Long Island. Donc, de mercredi à l'autre mercredi, nous faisons des rencontres pour prendre une décision, ça y est. Eh bien, gain d'infrastructure, c'est le Parti démocrate là, gain d'infrastructure, c'est des unions, tant qu'il y a une Nanina et d'autres. Et union qui ont même appris ça en charge. Oui, nous encourageons carpooling, par exemple, nous disons, si on est sorti de Brooklyn, eh bien, il connaît deux, trois autres mondes qui a venu, monter ensemble avec lui. Nous, by explication sous train, par exemple, mon monde qui a venu, dès qu'on prend, ou absolument Brooklyn, ou prend, et train, ou bien prend F train, et l'offre nous prend, ou prend N6, qui peut être capable de l'agir dans la zone. Nan. Donc, le pour nous capables plus ou moins expliquer mon yo j'ai pu atterrir mais Robertson et guys c'est rien dans le si tout ici on est même on est là dans Bouclina et Church Nostrand non c'est oui c'est Nostrand ça bouche là on prend la terre mais c'est fini. Oui, c'est à plein, on va t'appeler la vidé. Donc on gagne un demander pour faire des planifications. Merci oui, pour l'information, ça va partager avec nous. Bon la journée, monsieur Débat. Merci. Permettez que je vais téléphoner en Mali 347-546-1468, 347-546-1468. Lele pour nous capables de gagner plus d'informations sur qui je vais arriver, qui côté exactement la pied. Et voilà, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Moi, dis à mes amis proches pour vous abonner à la chaîne. Et puis, n'oubliez pas notre petit pouce bleu pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!